Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Très important de ne pas juste faire la bonne chose lorsque quelqu'un nous regarde. Je pense que c'est particulièrement important de faire ce qui est bon lorsque personne ne regarde, à part Dieu. Et il regarde toujours. Quand j'ai commencé le ministère, il y a 35 ans, Dieu a mis quelque chose très fortement dans mon cœur. Et j'allais en fait enseigner autre chose ici, mais j'avais vraiment l'impression que Dieu voulait que je vous enseigne ce qu'il m'a dit quand il m'a parlé il y a 35 ans. Il a dit, « Si tu fais ces trois choses que je te dis de faire, je bénirai ton ministère. » Fais toujours tout ce que tu fais avec excellence. Sois toujours une personne intègre. Tiens parole et ne joue jamais avec l'argent qui passe entre tes mains dans le ministère. Il m'a dit des choses comme si tu vas enseigner dans une petite église, ce que tu feras, c'est, nous les appelions des réunions de camp à l'époque, et tu t'engages à le faire, et une plus grande opportunité arrivera, tu tiens parole dans la première. Et puis il a dit, garde tous les conflits hors de ta vie, hors de ton ministère, et hors de ton mariage. Ne monte pas en chair, en colère, pour prêcher. Parce que ce n'est que là où il y a l'unité, qu'il y a la bénédiction et l'onction. Le psaume 133 dit, il y a la bénédiction où il y a l'unité, et c'est là que vous trouverez l'onction. Et donc ce soir, je vais parler de la première de ces trois choses, qui est l'excellence. Et j'appelle cela choisir d'être excellent. Et je dois choisir. Parce que si on ne choisit pas d'être excellent, la chair sera toujours médiocre. Et médiocre signifie à mi-chemin entre le succès et l'échec. Et je dirais que nous vivons aujourd'hui dans un monde plutôt médiocre et que ça empire tout le temps. Et cela dépend de nous, cela ne dépend pas des non-croyants. C'est à nous, les croyants, d'établir une norme que les autres doivent suivre. Nous ne devons pas les suivre, nous devons établir une norme pour qu'ils nous suivent. Et nous sommes assez nombreux pour que, si tout le monde le fait, vous m'entendez, nous sommes assez nombreux. Nous sommes partout dans le monde, nous sommes assez nombreux. Si tout le monde commence vraiment à, non seulement à aller à l'église, mais à servir Dieu de tout son cœur, à s'abandonner complètement et à être prêt à faire ce que vous savez être juste, pas ce que vous avez envie de faire. Amen. Je pensais aujourd'hui, que se passerait-il si chaque personne ici, s'engager pendant seulement 30 jours à faire ce qu'elle sait être juste au lieu de ce qu'elle a envie de faire. Et je ne parle même pas nécessairement du péché. Ça pourrait être un péché, mais je parle juste de faire ce que vous savez être bon. Ça peut être de petites choses comme, vous savez, ramener des fournitures de bureau à la maison. Combien de trombones, d'élastiques, de stylos et de bloc-notes avez-vous pris au bureau? Commençons donc là. Et à chaque fois que nous ne sommes pas excellents, il y a toujours un peu de conviction. Je veux dire juste un peu, comme une petite envie dans votre esprit.
Et lorsque nous apprenons à suivre ceci, nous apprenons à être des personnes vraiment, vraiment excellentes. Vous savez, si je vous disais après le service que je vais servir des biscuits au chocolat dans le hall que j'ai préparé, combien d'entre vous en prendraient un parce que vous aimez les biscuits? Combien d'entre vous le feraient juste parce qu'ils voulaient me voir? Oubliez-moi, nous parlons des biscuits. Que se passerait-il si je disais « J'ai ajouté un tout petit nouvel ingrédient à la pâte. J'y ai mis environ un tiers de cuillère à café de crotte de chien. » Mais il a été mélangé à ce gros tas de pâte et vous ne le sentirez pas. C'est juste, combien d'entre vous ne voudraient plus avoir l'un de mes biscuits? C'est à cela que nous devons faire attention dans le monde. Allez, vous me comprenez? Nous ne voulons pas être des chrétiens avec juste un petit peu du monde en nous et aller à l'église le dimanche et agir comme le diable le reste du temps. Ou bien aller à l'église le dimanche et puis le lundi, nous sommes avec tout le monde au travail à dire des commérages, à grogner, à nous plaindre et à rouspéter. Nous voulons être excellents. Et nous devons choisir d'être excellents. Et l'excellence n'est pas la perfection. Il s'agit simplement de prendre ce que vous avez et de faire de votre mieux avec. Vous avez peut-être une vieille voiture, mais vous devez quand même la garder propre. Eh bien, ça a bien passé. Certains pensent, je veux une nouvelle voiture, mais avant de garder l'ancienne propre, vous ne pourrez peut-être pas en avoir une nouvelle. Et c'est très important de ne pas juste faire la bonne chose lorsque quelqu'un nous regarde. Je pense que c'est particulièrement important de faire ce qui est bon lorsque personne ne regarde, à part Dieu. Et il regarde toujours. Une des choses que je me suis mise au défi de faire, et je le fais juste parce que Dieu me l'avait mis sur le cœur, chez moi, à chaque fois que je sors quelque chose et que je l'utilise, mon objectif est de le remettre là où je l'ai pris. Et c'est incroyable à quel point les pièces sont différentes quand on en sort. Et c'était étonnant parce qu'une femme va aux toilettes et nous avons du maquillage et trois peignes, des séchoirs et des fers plats, des lotions et des potions et vous savez, toutes sortes de trucs. Et parfois, si je suis pressée, je ne remets pas tout ça là où ça doit être. Et donc parfois on dirait qu'un cyclone est arrivé dans la salle de bain. Donc je prends le temps de remettre le couvercle sur le tube de dentifrice. Faites tout avec excellence. Maintenant, cela peut vous paraître idiot, mais je crois que si nous ne sommes pas excellents dans les petites choses... nous ne parviendrons jamais à être excellents dans des choses plus importantes. Il faut donc choisir. Nous avons ces petites publications sur Instagram et Facebook et mon équipe, je ne fais pas ça, mon équipe mettra des légendes sur ces publications sur Instagram et ça a toujours à voir avec ce que j'enseigne, mais ce n'est pas forcément le titre de l'enseignement. Et je suis toujours surprise de voir combien de personnes, en fait, regardent quel titre. Récemment, il y en a eu un, étudier la parole. Nous avons eu 42 000 téléchargements. J'en avais un qu'ils ont appelé « Détendez-vous et ne faites rien ». Et il y a eu
300 000 téléchargements. Qu'est-ce que cela vous dit sur notre État? Ils ont vu le titre « Étudier la parole ». Un quart des gens seulement étaient intéressés. Mais détendez-vous et ne faites rien, tout le monde aime ça. Mon fils était chez moi l'autre soir. C'est notre bébé, mais il va avoir 43 ans. Et il a un côté ludique. Et il avait cette chanson country. Et je pense qu'il faisait une sorte de danse en ligne. Et il a dit, allez maman, danse avec moi, allez danse avec moi. Je ne sais pas s'il pensait que je ne pouvais pas le faire. Ou si je ne le ferais pas. Mais je me suis levée et j'ai commencé à essayer de danser avec lui. Et vous savez, il fallait mettre le pied droit ici et le pied gauche là. Et alors, il filme tout ça et il le met sur Facebook. OK, maintenant, vous êtes prêts pour ça? Nous avons eu 1 300 000 vues sur celui-là. C'est en fait drôle, mais ça me rend folle que les gens soient plus intéressés à me voir faire des bêtises qu'à étudier la parole. Donc, peut-être que je me suis trompée de carrière, peut-être que je devrais me mettre à danser. Mais la raison pour laquelle je partage ceci avec vous est parce que ça vous montre où sont les gens. Et c'est préoccupant. Ça me fait parfois peur, en fait, de voir que 300 000 personnes aimeraient se reposer et ne rien faire et seulement 42 000 aimeraient étudier la parole. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:20 que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur est un représentant d'un autre pays ou d'un autre royaume ou d'une autre personne. Et la traduction amplifiée de 2 Corinthiens 5:20 dit « Nous sommes donc les représentants personnels de Christ. » Comprenez ceci, nous sommes ses représentants personnels, comme si Dieu adressait par nous son appel au monde. Là, c'est fort. Donc, ceci signifie que je ne peux pas juste faire ce que je ressens. Je dois choisir de faire ce que je sais que je devrais faire. La chair est forte et elle vous entraînera dans la mauvaise direction. La Bible dit dans Galates que l'esprit fait la guerre à la chair et la chair fait la guerre à l'esprit et qu'ils sont continuellement l'un contre l'autre, l'un contre l'autre. Ainsi, le diable agira toujours à travers notre chair, qui est votre corps et la partie de votre âme qui n'a pas été crucifiée et n'appartient pas au Christ. Et notre esprit est la partie la plus profonde de nous où vit le Christ. Et si nous suivons la chair, nous ferons la mauvaise chose la plupart du temps. Ce ne sera peut-être même pas un péché, mais disons par exemple que vous avez un autocollant, souris, Jésus t'aime, mais vous dépassez la limite de vitesse. Vous feriez mieux d'enlever l'autocollant du pare-choc de votre voiture. Amen. Nous devons être excellents. 2 Pierre 1:3. Ça fait partie de l'appel sur notre vie. Ce n'est pas juste une bonne idée. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Que tout le monde dise « Il m'a appelé ». Par sa propre gloire, par son excellence et par sa force. Maintenant, la force est parfois traduite comme vertu, ou ça peut être un trait de caractère pieux. Mais Jésus a dit qu'il a ressenti une force sortir de lui, et c'était la force, l'onction qui est sortie de lui, quand il a guéri quelqu'un. Ainsi,
L'excellence est liée au pouvoir. Les personnes excellentes sont promues. Les gens médiocres ne sont pas promus. Je préférerais avoir quelqu'un qui est excellent, qui fait ce qu'il fait avec excellence, qui tient parole et qui travaille dur dans ce qu'il fait. Peut-être que ce n'est pas la personne la plus brillante, mais je préfère l'avoir plutôt que quelqu'un qui est extrêmement intelligent, mais avec qui il est difficile de s'entendre, qui a toujours une opinion sur tout et qui dit des commérages. Amen. Ce ne sont pas toujours les personnes les plus intelligentes qui sont promues. La véritable promotion vient de Dieu, et Dieu peut prendre quelqu'un qui ne sait presque rien du tout et lui donner la capacité de faire des choses qui laissent les gens bouche bée impressionnés. Écoutez, je ne suis absolument pas qualifié pour faire ce que je fais. Je ne suis absolument pas qualifié. J'ai une éducation secondaire. J'ai failli échouer en anglais. J'ai presque échoué en anglais et maintenant je parle 125 langues dans les deux tiers du monde. Je pouvais toujours très bien écrire et mes professeurs voulaient que je postule pour une bourse de journalisme. Mais comme mon père abusait de moi, tout ce que je voulais, c'était m'éloigner de la maison et prendre soin de moi. Donc, je n'ai pas pu aller à l'école de journalisme, mais l'onction de Dieu est sur moi et j'ai écrit 150 livres. Donc, et je ne vous dis pas ça pour me vanter, j'essaye de vous dire que ce n'est pas votre intelligence ni le nombre de diplômes qui compte. Obtenez autant d'éducation que possible si c'est une bonne éducation. Je ne suis certainement pas contre, mais je suis pour les gens ordinaires comme moi. Je vous dis simplement que c'est votre cœur que Dieu voit. Et il voit des choses comme « Serez-vous excellent quand personne ne vous regarde? Ferez-vous la bonne chose quand personne ne vous regarde? Allez-vous sacrifier? Le servirez-vous même si vous n'êtes pas payé pour cela ?» Je me souviens qu'il y a des années, les gens se portaient volontaires pour tout. Et puis, on en est arrivé au point où les gens ne veulent plus bouger s'ils ne sont pas payés pour cela. Et nous devons recommencer à servir Dieu parce que nous l'aimons et pas pour une autre raison. J'ai besoin de ce message, j'espère que vous aussi. Une personne excellente dépasse les exigences. Elle fait toujours un effort supplémentaire. Elle va au-delà des attentes et fait toujours plus que ce qui suffit. Elle fait toujours un travail supérieur. John Maxwell a dit que l'un de ses objectifs dans chaque séminaire est de toujours faire plus que ce qu'on attend de lui. J'aime ça. Nous sommes appelés à marcher dans l'excellence. Nous savons que la chose la plus excellente est l'amour. 1 Corinthiens 12:31 dit « Désirez donc et cultivez avec zèle les dons les meilleurs, les dons les plus élevés et la meilleure grâce. Je vais encore vous montrer la voie par excellence, la voie qui est de loin meilleure et plus élevée que toute, l'amour. » Donc, tout le monde devrait avoir des livres et des enseignements sur l'amour, parce que de tout ce que nous étudions, nous devons étudier l'amour. Nous devons regarder 1 Corinthiens 13, 1 à 8, et décortiquer ces mots et nous demander « Suis-je patient? Suis-je gentil? Suis-je humble? Suis-je prêt à renoncer à mon droit d'avoir raison? Suis-je en colère contre quelqu'un? Combien vite puis-je pardonner à quelqu'un? Suis-je susceptible? Suis-je facilement offensé? Est-ce que je crois toujours au meilleur?
Nous devons prendre cela au sérieux. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Un. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Par ceci, les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Et pratiquement dans chaque message que je prêche maintenant, je dis un petit quelque chose sur l'importance de pardonner aux gens qui vous ont blessé. Et je vais continuer comme ça parce que il y a plus de gens en colère dans le monde aujourd'hui que jamais auparavant. La Bible dit dans Matthieu 24, qui a un chapitre sur les signes de la fin des temps, que dans les derniers jours, à cause de l'iniquité et de la méchanceté dans le pays, l'amour du plus grand nombre, c'est nous, se refroidira. Et mon Dieu, le diable adore ça. Parce que je vous le dis, la forme la plus élevée de guerre spirituelle est l'amour brûlant et enflammé. Marchez dans l'amour. Je veux dire, j'ai travaillé sur l'amour parce que je n'étais pas une personne très aimante. Et je l'étudie depuis longtemps. Et je vous le dis, je n'ai pas l'énergie d'être en colère. Vous dites, la personne qui m'a blessée ne mérite pas le pardon. Même si elle ne le mérite pas, vous méritez la paix. Amen. S'il vous plaît, si vous êtes en colère contre quelqu'un, faites ce que dit la Bible, lâchez prise et abandonnez cela.